Chers amis, chers camarades, amis des réseaux sociaux, bonjour. Le mois dernier, j'ai reçu une délégation de l'État venue visiter mon exploitation. Cette visite s'est déroulée sous l'égide de M. le sous-préfet avec les différents organismes gestionnaires du site. C'était l'occasion pour moi de présenter mes difficultés ainsi que les problèmes que j'ai rencontrés au-delà du conflit en lui-même. Les problèmes, comme je te peux douter, sont innombrables à tous les niveaux sur un site aussi enclavé que celui-là. L'arrivée au camp Mancelin après 1h30 de marche a été l'occasion pour moi de présenter à la délégation et à M. le sous-préfet les infrastructures et notamment l'état de vétusté du camp Mancelin et des différentes installations autour. D'expliquer à Zot l'énergie incommensurable qu'il faut que mes débats pour faire fonctionner cette exploitation loin de tout, abandonnée par pratiquement tous les services de l'État depuis 20 ans. Il a pu voir nos conditions de vie, celle de ma famille, mes ouvriers et de moi-même. On a pu faire aussi le parallèle entre la construction du vide et l'état de mon camp en bas. La journée l'a terminée par un repas au camp Mancelin, comme le veut la tradition qui a été offerte par les éleveurs à l'ensemble de la délégation. Je remercie l'ensemble des participants qui sont venus à cette journée et je reste vigilant sur les suites données à cette visite que je pense les relativement importantes pour la suite.